and Suad Malki as a chair of this section. So I give the floor to Professor Malki to chair this section and good luck. And d'accord, merci, merci. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, les professeurs Ferrari et Valenzi, les professeurs Valenzi, pour avoir organisé ce webinaire et d'avoir associé aussi bien le côté juridique que le côté historique et anthropologique. Donc, je voudrais quand même présenter rapidement Madame Gelaz. Madame Gelaz est de formation, elle est philosophe de formation. Elle a enseigné très longtemps donc, à Oran, à l'Université d'Oran, la philosophie. Ensuite, elle s'est tournée vers la recherche concernant le patrimoine et elle est experte au niveau de l'UNESCO concernant donc tout ce qui est patrimoine. Elle est également, c'est elle qui a initié la reconnaissance du couscous comme patrimoine mondial. Elle est auteure de nombreux ouvrages, notamment concernant tout ce qui est association. Elle a un ouvrage intitulé « Évaluation du système associatif en Algérie » en 2011, édité en 2011. Ensuite, elle a un guide pour les associations en 2015. Elle a également un ouvrage certainement très intéressant, « Une femme au cœur du soufisme », qui a été édité en 1999 puis réédité en 2018. Elle a également donc deux ouvrages en voie de publication. Nous attendons avec impatience la conférence de Madame Gelaz. Vous avez la parole, Madame Gelaz. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais commencer par partager mon écran. Voilà. Oui. Voilà. Je commence par remercier. Bonjour tout le monde. Je remercie les organisateurs pour cette rencontre qui se présente fort intéressante et aussi toutes les autres rencontres que nous avons vécues au préalablement du Maroc, d'Égypte et du Liban. Je vais soulever le problème relatif aux femmes politiques et aux femmes élues en particulier, sous l'intitulé « Femmes élections en Algérie, la guerre silencieuse », un épiphénomène dans l'histoire d'un pays. Je m'excuse d'avance si les idées que je vais exposer ne sont pas toutes chiffrées. Mon approche n'est pas statistique, mais surtout anthropologique, socio-anthropologique, je vais dire. Je ne vais pas faire un état des élections en Algérie, mais plutôt m'interroger et en même temps vous interroger sur les conditions nécessaires pour qu'une élection soit démocratique et ses membres soient représentatifs des électeurs. Je veux montrer que la génération spontanée n'existe pas en politique, que chaque situation est la conséquence de faits immédiats ou lointains, que des décisions qui paraissent parfois sans grand intérêt peuvent agir en amont pour ressurgir comme des concepts fondamentaux d'une société ou d'un État. Pourquoi ai-je voulu soulever la question des élections en particulier et non celle des droits des femmes en général ? Au résultat des dernières élections législatives, les femmes élues n'ont représenté que 8% des membres de l'Assemblée nationale. Elles étaient 30% préalablement dans les élections précédentes. Certes, les causes réelles peuvent être teintées de subjectivité, mais cela donne à réfléchir. Un plongeon dans l'histoire est nécessaire pour comprendre s'il y a une évolution de la société suite à des changements de paradigme ou juste une imposition de la politique. Je commence par souligner que l'Algérie n'est pas un cas particulier. Dans les pays musulmans, elle se situe dans la moyenne, alors qu'elle a eu en 2012 et en 2017 la primauté. Je vais vous expliquer pourquoi.
Rappelons toutefois qu'il y a moins d'un siècle, aucune femme dans le monde ne votait au suffrage universel. Ce sont les deux guerres mondiales qui ont été le vrai déclencheur de cet acquis. Le vote des femmes est un problème planétaire. S'il est accru dans les pays musulmans, c'est notamment parce que ces derniers ont vu des décennies de leur histoire confisquées à cause de la colonisation qui n'a épargné ni hommes ni femmes, retardant ainsi leur développement social, économique et politique. Pour les Algériens, les choses ont été différées d'un siècle, puisque colonisés pendant 132 ans sous le statut d'indigène. Un indigène est un individu qui subit tous les devoirs, mais il est privé de ses droits citoyens. Ma première conclusion est donc que si le monde n'en a pas fini avec la colonisation et que le devoir de mémoire continue à causer des malentendus politiques entre les États, ce qui se passe actuellement entre l'Algérie et la France, c'est parce que les pays colonisés ont essuyé un retard politique d'un siècle que rien ne peut combler. On ne peut pas revenir en arrière, il faut assumer les résultats. Dans les faits, l'Algérie comptait au lendemain de son indépendance en 1962 plus de 90% d'analphabètes qui n'ont pas les outils nécessaires pour comprendre les avantages du droit de vote. Avoir une carte d'électeur est un droit citoyen qui est plus important que le choix du candidat lui-même. C'est la carte en soi qui était importante. Charge de revanche, cette liberté est la compensation d'un manque qui annule et supplante le statut d'indigène. Par ailleurs, l'Algérie a opté pour un système socialiste à la soviétique depuis les années 60, où le vote n'est que simple formalité, puisque les candidats sont choisis par le parti unique, le FLN, Front de Libération Nationale, et par l'armée. Le Sénat et le Parlement sont les deux chambres du parti. Jusqu'en 1987, elles comptaient, c'est-à-dire les deux chambres, comptaient 100 sièges. Tous les candidats étaient choisis par le FLN. Suite à des mouvements sociaux en 1988, la pluralité politique va faire apparition. Le FIS, Front islamique du salut, va voir le jour et rapidement gagner du terrain pour rafler les législatives de 1991. Mais le processus électoral est interrompu, décrétant l'état de siège et arrêtant l'activité politique. Donc, par conséquent, on annule les partis et on revient au parti unique. Jusqu'en 1997, où vont apparaître deux autres partis significatifs. Il y en aura d'autres, mais ceux-là sont significatifs. Le RND, Rassemblement National Démocratique, et le MSP, Mouvement de la société, pour la Société et la Paix, avec d'autres partis de moindre impact politique. En 1999, arrive donc le président Abdelaziz Bouteflika, qui est président à la tête du FLN. Il signe une coalition, d'où l'impact, il signe une coalition avec les deux partis, le MSP et le RND, pour avoir une majorité absolue. Ceci s'aligne donc sur le programme du président pour ne faire qu'une voix, qu'une politique, avec une seule façon de voir les choses, et lui, il va gouverner jusqu'à 2019. La deuxième conclusion, donc, et que le parti unique a régné en maître sur la politique algérienne pendant plus de 50 ans et la démocratie peine à apparaître. Par ailleurs, la voix des femmes a toujours été un problème dans les pays musulmans, tant au sens réel qu'au sens symbolique ou encore politique. Ceci est fondé sur un hadith, d'ailleurs un faux hadith, hadith c'est-à-dire les paroles du prophète, hein, les paroles attribuées au prophète, où il déplore que la femme lève la voix soit entendu, dit que la femme ne doit pas élever la voix en public. Cette déclaration n'a aucun fondement. C'est vrai que le verset 34 de la sourate Al-Ahzab, la sourate Al-Ahzab, c'est la sourate 33 du Coran, donc la sourate recommande aux femmes de lire le Coran chez elles, sans plus. Mais ceci pourrait être le malentendu, la source du malentendu, et du malentendu à l'origine de cette animosité ou cette inimitié entre les femmes et les hommes, avec beaucoup de réserves de la société traditionnelle qui ne veut pas de la présence des femmes au pouvoir de décision. De fait, les femmes ne sont jamais nombreuses dans les pays musulmans, électrices soient-elles ou candidates. Historiquement, il faut rappeler qu'avant l'indépendance de l'Algérie, se vivait déjà à l'interne des idées, une guerre des idées. Et les leaders de la révolution ne s'accordaient pas sur le choix du modèle sociopolitique futur.
une Algérie arabe musulmane ou une Algérie algérienne démocratique et laïque où la religion restera une affaire intime, une affaire personnelle. Je rappelle aussi qu'une des rares associations que la France a admise officiellement en 1933 est l'association des oulémas, des scientifiques ou des savants musulmans, l'association des savants musulmans. Déjà porteuse d'un projet de société islamique, cette association continue aujourd'hui d'exister. À ce jour, le combat continue et aussi entre démocrates et islamistes. Après l'indépendance, la présence des islamistes opposants à la laïcité et aux droits des femmes était prépondérante dans les arcanes du pouvoir. Si bien qu'un code de la famille, basé sur la charia, basé sur le droit religieux, va être proposé dès 1963. Après de vagues de protestations des féministes et des mujahidettes, les anciennes combattantes, il ne sera approuvé qu'en 1983, après de longues luttes. Durant le Irak est un mouvement populaire qui a été déclenché en 2019, je reviendrai sur le sens. Donc je disais, durant le Irak, les choses n'ont pas été claires dès le départ. On relève cependant que quelques féministes qui portaient, pendant des manifestations, des pancartes sur les droits des femmes et la suppression du code de la famille ont été interpellées et intimidées par les manifestants. Comme quoi, un problème politique, s'il n'est pas réglé à la base, ressurgira toujours à la surface. J'en conclus donc pour ce troisième point que les mouvances islamiques ne sont pas une invention des années 70 ou la conséquence de la République islamique. La République islamique iranienne. C'est plus ancien, plus enraciné, peut-être même une création programmée pour agir sur le long terme. Avant de parler des femmes élues en Algérie, il faut dire que les femmes en politique, de façon générale, ont longtemps été de l'ordre de l'exception, survenant en réponse à des problèmes sociaux ou des revendications démocratiques, d'équité sociale ou d'équité politique. La première femme ministre, Zohra Nissi, sociologue, sera appelée en 1986 par un gouvernement qui veut faire face à la crise issue du contre-choc pétrolier qui engendre de graves émeutes sociales. Le président Chadli Bendjedid, qui veut procéder à des changements, ouvre aussi la porte au pluripartisme. Nissi tiendra une année. On est 24 ans après l'indépendance, alors que pendant la guerre, les femmes ont été de tous les combats, ont subi tous les sévices, toutes les tortures et un nombre important sont mortes en martyr. En 1991, aux abords d'une guerre civile, le gouvernement appelle le docteur Nafisa Hamoud comme ministre de la Santé et la magistrate Leila Aslaoui comme ministre de la Jeunesse et des Sports, des femmes hautement diplômées pour donner une image de modernité. La première restera 5 mois et la deuxième restera 8 mois. Entre parenthèses, le docteur Nafisa Hamoud est Mujahida, une ancienne combattante, et membre fondateur du corps médical algérien. Elle crée en 1947 l'Association des femmes musulmanes algériennes. Puis viendra Mirim Ben Mihoub, en 1992, avocate et ancienne maquisable aussi, ancienne combattante, qui durera 10 mois. Il faudra attendre 1997, comme j'ai dit, avec l'apparition des partis d'opposition, enfin, d'opposition de coalition, MSP notamment, mais surtout le RND, pour voir des femmes qui sont sorties du RND, comme Ben Habiles, Ben Arous, Michernen, mais là aussi, elles vont durer très très peu. Le président Bouteflika, appelé en 1999, dans une Algérie ensanglantée, parce qu'on venait de vivre 10 ans de guerre civile, aura pendant les premières années de son pouvoir une domination totalement masculine. C'est seulement en 2003 qu'il va installer à la tête de la culture une femme qui s'appellera Khalida Toumi, une femme qu'il a arrachée d'ailleurs à un parti démocrate, parti de l'opposition, et celle-ci, c'est la seule, elle va garder la chaire, elle va garder le département pendant 12 ans. Mais dès son intronisation, alors qu'elle était féministe, ses positions féministes, elle n'en parle plus. Elle ne dira aucun mot sur le code de la famille. Mais bon, il faut quand même reconnaître qu'à son époque, je la connais personnellement, dans son département, les femmes cadres, directeurs de la culture et tout ça,
au niveau central et au niveau local, il y avait une augmentation considérable du nombre des femmes cadres. À partir de là, il va y avoir régulièrement 4-5 femmes ministres, toujours à la culture, à la solidarité, parfois à la poste, l'environnement, le tourisme, les relations au Parlement. Mais bon, ce sont toujours des départements non régaliens. Dans le gouvernement actuel aussi, elles sont 4 sur 35 départements. Mais rappelons que rien n'est jamais définitif. Et le turnover, c'est-à-dire le changement, touche plus les femmes que les hommes. En plus, c'est dans un pays où 92% des filles vont à l'école. Donc, il y a peu de femmes qui apparaissent, en fin de compte. Et le taux des filles étudiantes à l'université, il y a 62,5% d'étudiantes par rapport aux étudiants. Les étudiantes sont majoritaires à l'université. Dans le travail aussi, elles apparaissent très, très peu. En 1966, elles étaient à peine 4%. Et en 2008, même maintenant, ça n'a pas beaucoup changé, elles sont de l'ordre de 17%. Pour les femmes élues, l'évolution se fera différemment. Alors voilà, on a la liste des femmes élues. De 62 jusqu'à 2002, très peu de femmes. 5%, 1%, 3%, 2%. Ça n'a pas dépassé les, ça n'a pas atteint les 7%. En 2012, dans le courant tendant à présenter une image moderne de l'Algérie contemporaine, une loi a été promulguée pour assurer un taux de participation des femmes à la politique. En effet, la participation est un baromètre de développement. Pour qu'un pays émergent soit efficient, il lui faut mettre en place des dispositifs pour appuyer la participation féminine et accompagner les institutions chargées d'appliquer cette loi. Après la promulgation de la loi va exiger 30% de femmes sur les listes. Il y aura donc 31% en 2012. Ça va diminuer un peu, mais ça restera correct en 2017 puisqu'elles seront 24%. Dans les APC, c'est-à-dire les communes, il y aura aussi 28%. L'Algérie va aussi promulguer une autre loi. Elle va promulguer une autre loi qui est elle va incriminer la violence contre les femmes. De ce fait, elle va se retrouver la première sur la liste du monde arabe et la 28e au rang international. Bon, je peux vous montrer vaguement comment ça se... Mais bon, on ne va pas discuter ça. Ça dépend si la commune est petite ou grande, si la wilaya est petite ou grande, donc il va y avoir 20%, 30%, entre 20 et 50% en tout, ce qui est très, très intéressant. Voilà. Et à cette époque-là, sur 1541 communes, il y a quand même 28% qui ont compté des femmes. Pour optimiser son application, l'application de la loi sur les quotas, elle prévoit une démarche en amont pour encourager la féminisation des partis politiques en appliquant trois exigences, la représentativité, la moralité et la maturité. Mais quelques mois à peine après l'Irak a commencé en février 2019, quelques mois plus tard, on fait des élections, le 12 juin 2021, c'est-à-dire une année et demie plus tard, il n'y a plus que 34 femmes aux législatives. C'est-à-dire qu'on retombe à 8,35%. C'est un petit peu d'évolution par rapport aux résultats de 2002, mais une vraie chute par rapport à celle de 2017. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi, du coup, on tombe de 30% à 8%? C'est parce qu'en 2002 et 2017, la loi a obligé les partis à présenter des listes avec un minimum de 30%. Et le choix se fait sur la liste et non sur la personne. Mais les partis n'ont pas fait l'effort de former les femmes ni les électeurs à la politique. Une fois élus, la majorité des postes à responsabilité sont attribués à des hommes. Les candidates se retrouvent souvent au titre de simples membres
sans mission réelle et sans obligation. D'ailleurs, sur 1541 communes, on va trouver seulement 3 femmes qui étaient maires ou mairesses, c'est-à-dire premier magistrat. Toutes les femmes étaient membres à qui on demandait très peu de choses. Alors, pourquoi tout cela? Parce qu'il n'y a pas eu de préparation en amont, il n'y a pas eu de travail politique. Les électeurs n'ont pas été impliqués. La loi ne leur a pas expliqué et rien n'a été fait pour convaincre les paysans et tout ça qu'il est utile de voter pour une femme. Par ailleurs, les hommes, en majorité des votants, ont une multitude de lieux où ils se rencontrent et se parlent, alors que les femmes n'ont pas où se rencontrer, sauf pendant la période électorale où elles peuvent louer quelque chose pour expliquer son programme. Alors qu'il aurait fallu faire l'éducation et la sensibilisation de nombreux dubitatifs, récalcitrants, réfractaires, si on veut arriver à un résultat. Il aurait fallu surtout en faire une nécessité au niveau des familles, une priorité au niveau des médias, investir les écoles avec une place importante dans les programmes scolaires à plusieurs niveaux pour en faire une tradition. Les élections se faisant tous les 5 ans, on peut supposer qu'après 2 mandats, 80% des élèves de primaire peuvent se présenter aux urnes. On peut mesurer ça sur les lycées et les collèges. Dans les partis aussi, la loi posait problème. Les anciens vont déclarer la guerre aux femmes, comme autrefois l'ex-parti unique l'a déclaré au multipartisme. Rassembler 30% de candidates femmes seulement 2 mois après la promulgation de la loi n'était pas chose facile. Il a fallu essaimer dans les universités et parmi les hauts cadres, mais ce ne sont pas des femmes politiques, ce sont des intellectuels, ce qui donne une minorité de femmes hautement diplômées, une majorité d'hommes, on va dire, moyennement diplômés. Sachant que les partis, surtout traditionnels, ont été la chasse gardée des anciens combattants, qui ont fait de la politique une mission et de l'élection un credo. Et même les hommes jeunes et diplômés avaient de la peine à se faufiler dans ces partis-là. Ces femmes sont avant tout des concurrentes qui n'ont ni l'historicité dans le parti, ni la légitimité dans la vie politique. Qu'ils soient de gauche ou de droite, démocrates ou conservateurs, ce sont beaucoup de candidats qui concourent pour très peu de postes. À l'interne, racontent certaines femmes qui ont fini par abandonner, la dépréciation est constante à travers des plaisanteries et des remarques disproportionnées, alors que pour les hommes entre eux, les pratiques de valorisation et de cooptation sont réelles et sérieuses. Qu'en est-il du Hirak? Qu'en pense le Hirak sérieusement? Bon, le Hirak, je disais tout à l'heure que j'allais expliquer le sens. C'est un mouvement social qui se fonde sur des manifestations pacifiques. Depuis le 22 février 2019, les Algériens, hommes et femmes, sortent tous les vendredis pour demander un changement politique. Les revendications ont été évolutives. D'abord, le président, qui a à son actif 4 mandats au bout de 20 ans de règne, postule pour un 5e mandat. C'est la première cause de ces sorties hebdomadaires. Au bout de la 6e semaine, le président retire sa candidature. Fort de ce résultat, les manifestants vont pousser leurs revendications plus loin, notamment une 2e République. Mais la position du Hirak quant à la participation de la femme et surtout l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas claire. Lorsque dans la foule, des féministes sont arrivées avec des pancartes demandant l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et l'abrogation du code de la famille, plusieurs manifestants se sont soulevés contre elles, rejetant leurs revendications et dénonçant leurs agissements. Si certains ont estimé que ce n'est pas le moment, les plus décidés ont dit clairement que leur revendication de l'égalité va à l'encontre des préceptes de l'islam. Donc, l'état de droit d'Aoula Madaniya, que le Hirak revendique, ne prend pas en compte les droits de la femme, l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est la base même des droits humains, et ne remet pas en cause le code de la famille où la femme est réellement sous-considérée. Est-ce qu'il me reste encore beaucoup de temps? Oui, allez-y, terminez. Constatant cette désolidarisation vis-à-vis des femmes, et vu la déferlante juvénile du Hirak, les pouvoirs ont tablé pour les élections législatives du 12 juin 2021 sur les jeunes. Ils se sont dit, on laisse de côté les femmes, on va promouvoir les jeunes. Oubliant la représentation féminine,
Celles-ci ne présentent pas pour l'instant une source d'inquiétude, puisqu'elles n'ont pas été soutenues. Et les élections sont sorties avec 34% de jeunes députés, mais seulement 8% de femmes. Par ailleurs, il faut savoir que les partis dits de gauche, qui comptent plus de femmes adhérentes, ont boycotté le scrutin. Seuls ont répondu à l'appel les partis traditionnels et les partis conservateurs. Du coup, plusieurs listes ne comptaient aucune femme. D'autre part, à cause de la pandémie, c'est la toile juge dernier de ce qui se passe dans le monde qui a servi de lieu pour la campagne électorale. Or, les sites étaient truffés et peuplés d'antiféministes qui ont contribué à orienter les mentalités. Même si quelques voix isolées défendaient les femmes, elles n'étaient pas porteuses d'une vraie campagne avec des noms et des programmes et se suffisaient à donner des répliques pendant que les autres défendaient des programmes et des candidats. En clair, les internautes n'ont pas été tendres avec les femmes. Peut-être parce que derrière les pages virtuelles se cachaient de vrais politiciens qui roulent pour les partis, les courants politiques de tendance conservatrice, ou peut-être aussi parce que le terreau social, surtout rural, n'est pas encore prêt pour voter pour les femmes. Donc, le jeu étant dévoilé, le régime va toujours frapper là où il y a le moins de défense. Ce n'est pas d'une construction de la démocratie qu'il s'agit. C'est plutôt un combat pour s'accaparer des parts d'un marché. On ne construit pas la démocratie si la moitié de la population est réduite au silence. On ne construit pas la démocratie si la moitié de la population est réduite au silence. Les hommes et les femmes doivent comprendre et reconnaître qu'ils sont embarqués ensemble et ils ne peuvent s'en sortir qu'ensemble. Alors, en conclusion, je dirais que ce n'est pas encore gagné. Merci. Merci. Merci, Madame Guélez, pour toute cette riche présentation de l'égalité entre femmes et hommes. Surtout que nous avons cheminé avec vous de l'histoire de l'indépendance, même avant l'indépendance, jusqu'aux dernières élections de 2021, de l'Assemblée populaire nationale 2021. Est-ce que les questions, vous voulez que je vous transmette tout de suite les questions ou bien est-ce qu'il faut attendre que Mademoiselle Issa passe? On va attendre la fin, non? D'accord, d'accord. Je voulais juste une petite remarque concernant les lois. Ce qu'on remarque, c'est quand on a appliqué en 2012 le principe du quota, il y a eu un pic, une élévation du nombre de femmes députées. Et puis, on se dit, mais la parité, c'est mieux que le quota. La parité, c'est l'égalité totale entre hommes et femmes au niveau de la représentation. Or, ce qui s'est passé, c'est que la parité a été entendue au niveau de la candidature, beaucoup plus qu'au niveau de l'élection proprement dite. Et c'est pour ça. Bon, en plus, il y avait eu la 2021, les élections 2021, c'était en plein corona, en plein pandémie. Donc, il y avait aussi le fait que tout le monde n'a pas été pour voter, qu'il n'y a pas eu de véritable campagne électorale menée par les femmes, etc. Bon, vous dites qu'il n'y a pas de préparation ni de formation proprement dite de ces candidates. C'est-à-dire qu'il y a une addition de plusieurs faits qui ont fait qu'on est retombé à ces 8%, ces malheureux 8%. Et puis vous avez le débat, vous avez par exemple Madame Aizaï qui a beaucoup, qui a dit qu'il fallait revenir au quota. La dernière loi, la réforme de la loi électorale en 2020 finalement n'a pas été favorable à la représentation des femmes. Vous avez l'autre pendant,
qui vous dit, ah non, oui, oui, la parité, mais la parité au moment de la confection des listes. Si on a des listes électorales où on a moitié-moitié, donc on est dans la parité. Et puis, vous avez également le fait que certains partis n'ont pas pu réunir le nombre de femmes à titre égal. Et ces listes ont été acceptées. Donc, vous avez au niveau, un manque au niveau des listes, un manque au niveau de la campagne et un manque au niveau de l'élection proprement dite, du jour de l'élection. Et surtout, le manque le plus important, c'est au niveau de la formation. Les gens ne savent pas pourquoi ils vont voter une femme. Mais les femmes elles-mêmes ne savent pas pourquoi elles vont voter et de sur quoi voter une femme. Donc, il faut par que ça rentre dans la tradition, dans la vie de tous les jours. Oui. Par contre, on a un exemple où Louisa Hanoun s'est présentée elle a été candidate pour la présidence de la République, elle a été classée seconde. Oui, mais bon, quand on est classé seconde avec 10% et l'autre avec 90%, ça se discute. C'est une autre paire de manches, mais moi, j'opte pour la formation. Le but, oui, tout ce qu'on dit est juste. Nadia Izzaï, mon amie, on ne s'entend pas toujours sur les outils, mais pour elle, il faut passer à des lois différentes. Exactement. Moi, le fond de la question, c'est que la population doit comprendre. L'électeur doit être impliqué dans le choix dès la base. Pourquoi cette loi? C'est à l'électeur d'aller vers faire la loi. Confectionner la loi doit être l'œuvre de l'électeur lui-même et non pas l'œuvre décrétée par un pouvoir à mettre à disposition d'un électeur qui est obligé de l'appliquer sans la comprendre. Voilà où on s'entend pas, Nadia et moi. Oui, oui. Voilà. Donc, je vous remercie, Madame Guélez. La parole est à Mademoiselle Issa. Alors, Mademoiselle Issa est une brillante juriste qu'on a connue comme doctorante. Elle est docteure en droit public, elle est auteure d'une thèse de doctorat portant sur les immunités parlementaires, les immunités constitutionnelles, pardon. Elle a soutenu en 2013, elle est actuellement maître de conférence à l'Université de Boumerdès et elle enseigne donc le droit constitutionnel, le droit électoral et la fonction publique. Elle est également enseignante au niveau de la réglementation hôtelière et touristique. Alors, Mademoiselle Issa, vous avez la parole. Donc, vous allez nous présenter, je crois, tout ce qui est apport nouveau dans la Constitution de 2020. C'est ça? Exactement, exactement. Vous avez la parole. Bonsoir, professeur. Très honoré de ma participation aujourd'hui à ce webinaire consacré à l'Algérie, sous la présidence de ma très chère professeure Bauti Souaid. Je voudrais en premier lieu remercier professeur Alessandro Ferrari et docteur Valenzi, comme ça, de toute l'aide qu'ils ont, de nous avoir permis à participer à ce webinaire et de toute l'aide durant du début des démarches pour arriver à ce jour-là. Donc, partager. Je dis d'abord bonsoir à tout le monde. Good evening. Je partage mon PowerPoint avec. C'est partagé? Vous voyez mon PowerPoint? Non. Not yet. Voilà. Et comme ça? Non. Voilà. Oui. Très bien. Très bien. Mon contribution porte sur la révision constitutionnelle 2020 en Algérie. Donc, c'est une contribution purement juridique pour celle de 2020 parce que c'est toute la. Connexion. Là, on n'entend plus. Il n'y a pas de connexion, je pense.
Professeur Aouti, pour gagner du temps, si on n'arrive pas à réavoir Mademoiselle Aïssa, vous pouvez me poser des questions. Je peux répondre à une ou deux questions en attendant. Donc, il y a une question concernant la relation entre constitution et charia. Alors, la relation entre constitution et charia, du point de vue religieux ou du point de vue politique ou du point de vue juridique, c'est à voir. Et ouais. Donc, je crois qu'on a de nouveau Mademoiselle Aïssa. Oui. Sinon, attendez. Votre micro. C'est bon, moi je vous entends. Vous ne m'entendez pas? Non, mais elle a enlevé son micro, donc... D'accord. Oui, moi je peux continuer à parler, mais parce qu'elle est revenue, donc il faut qu'elle remette son micro. Elle a disparu de l'écran. Voilà. Vous m'entendez maintenant? On vous entend, oui, mais on ne vous voit pas. Je pense que le son est plus important que l'image maintenant. Okay? Allez-y, voilà, très bien, tout est rétabli. Voilà, très bien. Alors, quand la révision est décidée à l'initiative du président de la République, elle est soumise soit par référendum à l'approbation du peuple, soit sans référendum si elle obtient les trois quarts des voix des membres des deux chambres du Parlement. Les révisions de 2002, 2008 et 2016 ont été approuvées par le Parlement et celle de 2020, elle a été approuvée par le peuple par référendum du 1er novembre 2020 et la Constitution a été promulguée par le décret présidentiel numéro 24 du 30 décembre 2020 sur le journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette révision constitutionnelle sur le plan de la forme et sur le fond, donc le contenu? Donc, pour la Constitution, elle est divisée en trois parties principales. Premièrement, on a le préambule, on a 6 titres et des dispositions transitoires. Tout ce qui est inscrit en vert, sur cette page-là, ce sont les nouveautés de cette Constitution. Donc, je commence par le nombre de titres. Le nombre de titres a été multiplié par rapport à la précédente révision constitutionnelle, où on avait 4 titres seulement. Ce nombre a été multiplié parce qu'il y a le titre des droits fondamentaux, des libertés publiques et des devoirs qui a été ajouté, alors que ces droits fondamentaux et libertés publiques et pouvoirs figuraient auparavant dans le premier titre dans un chapitre. Les institutions de contrôle et les institutions de consultatif étaient réunies auparavant dans un seul titre et dans cette nouvelle révision constitutionnelle, on a consacré des titres séparés aux institutions de contrôle et aux organes consultatifs. Donc, on a ces titres constituant le fond de la révision constitutionnelle. Le premier titre, il est relatif aux principes généraux régissant la société algérienne. Il est divisé en 3 chapitres, l'Algérie, le peuple et l'État. Le deuxième titre, il est consacré aux droits fondamentaux et libertés publiques et devoirs. Donc, vous voyez l'importance qu'a consacrée cette révision constitutionnelle à ces droits fondamentaux et ces libertés en consacrant un titre autonome à ces derniers, divisé en 2 chapitres. Le premier est consacré aux droits fondamentaux et libertés publiques et le deuxième aux devoirs. Le troisième titre, il concerne l'organisation et la séparation des pouvoirs. Et nous voyons que le mot « séparation » a été introduit dans cette nouvelle révision constitutionnelle. Ce titre est divisé en quatre chapitres. Le premier, il est consacré au président de la République, où figure un sous-titre qui régit les situations exceptionnelles que peut vivre l'État, le gouvernement, comme deuxième chapitre. Donc, auparavant, le président de la République et le gouvernement étaient réunis sous un seul chapitre dénommé le pouvoir exécutif. Le troisième chapitre, il est consacré au Parlement, auparavant appelé pouvoir législatif. Le dernier chapitre, il est consacré à la justice, à
avec précédemment pouvoir judiciaire, avec un sous-titre relatif à la haute cour de l'État. Pour les institutions de contrôle, donc le quatrième chapitre, pardon, le quatrième titre de la Constitution, on voit qu'il y a dans cette révision constitutionnelle une très importante institution a été incluse dans cette révision, qui est la Cour constitutionnelle. On y reviendra plus tard, tout à l'heure. Il y a aussi la Cour des comptes qui existait déjà. L'autorité nationale indépendante des élections, c'est une autorité qui existait, elle a été constitutionnalisée. La haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, cette institution de contrôle figurée dans la révision de 2016 dans les organes consultatifs, a été promue dans les institutions de contrôle. Je trouve que c'est tout à fait logique, parce que quand on parle de corruption, on a tendance beaucoup plus à penser au contrôle qu'à donner des avis consultatifs. Alors, le cinquième chapitre, il concerne les organes consultatifs. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est des organes qui existaient déjà, le Haut Conseil islamique, le Conseil national économique, social et environnemental. Donc, on a élargi le domaine de compétence de ce conseil à l'environnement. Le Conseil national des droits de l'homme, l'Observatoire national de la société civile, c'est un nouvel organe qui est très, très important. Le Conseil supérieur de la jeunesse et de la jeunesse, le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies, et aussi un nouvel organe qui est l'Académie algérienne des sciences et des technologies, pour montrer que l'Algérie donne une très, très grande importance à la recherche scientifique. Le sixième chapitre, il est consacré à la révision constitutionnelle. On va voir tout à l'heure sur quoi peut porter la révision constitutionnelle en Algérie. Et bien sûr, la constitution, la révision est terminée par les dispositions transitoires. Donc, pour le contenu de cette constitution, j'ai relevé un petit peu les principes de la République démocratique et populaire algérienne par rapport au contenu du préambule, du titre premier qui est consacré aux règles générales régissant la société algérienne, aux principes généraux régissant la société algérienne, et le titre deuxième, les droits et les libertés, les droits fondamentaux et les libertés publiques. Donc, le préambule de la Constitution fait partie intégrante de la Constitution. Il commence par un très beau paragraphe et qui stipule que le préambule de la Constitution marque des périodes très importante et globale de 1954, par laquelle on jouit aujourd'hui de notre indépendance, un pays libre souverain. Deuxième période historique, le Hirak populaire ou le mouvement populaire pacifique a vécu l'Algérie le 22 février 2019, où le peuple algérien a montré au monde entier sa maturité, sa grande moralité, sa bonne moralité, et puis un peuple qui connaît l'intérêt de son pays. Donc, le peuple algérien a joué et joue toujours un rôle important dans l'incarnation de nobles valeurs qui appellent à la liberté, à l'unité, au progrès et à la construction d'un État fort. Toujours dans le préambule, l'Algérie est une terre d'islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe et amazigh, méditerranéen et africain. S'honore du rayonnement de sa révolution du 1er novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde. Attachée à la paix, aux droits de l'homme et au développement, l'Algérie conduit sa politique étrangère de manière à consolider sa présence et son influence dans le concert des nations à travers des partenariats fondés sur l'intérêt mutuel en parfaite cohérence avec le choix politique, les choix politiques, économiques, sociaux, culturels, nationaux et dans le respect des objectifs et principes de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes.
toujours dans le préambule, inclut d'autres principes, dont la nécessité d'inclure le citoyen et la société civile, y compris la communauté algérienne à l'étranger, dans la gestion des affaires publiques de l'État, la garantie des droits et libertés du citoyen, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, la construction d'un État de droit fondé sur le principe de séparation et d'équilibre des pouvoirs, d'indépendance de la justice, de protection juridique et de sécurité juridique. Le préambule aussi a inclus une nouvelle disposition constitutionnelle qui est que l'Algérie peut, dans le cadre du respect des principes et objectifs des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, participer au maintien de la paix. En ce qui concerne la protection des droits et libertés, donc c'est relatif au titre organisant les droits fondamentaux et les libertés publiques, deux importants articles ont été inclus, de nouveaux articles inclus dans cette révision constitutionnelle de 2020. L'article 34 qui stipule que les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s'imposent à l'ensemble des pouvoirs et institutions publiques. Et aucune restriction aux droits, aux libertés et aux garanties ne peut intervenir que par une loi et pour des motifs liés au maintien de l'ordre public, de la sécurité, de la protection des constances nationales, ainsi que ceux nécessaires à la sauvegarde d'autres droits et libertés protégés par la Constitution. En tout état de cause, ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l'essence de ces droits et libertés. Et afin de garantir la sécurité juridique, l'État veille dans la mise en œuvre de la législation relative aux droits et libertés à assurer son accessibilité, sa lisibilité et sa stabilité. L'article 35 aussi protège ces droits et libertés. Il stipule que les droits fondamentaux et les libertés sont garantis par l'État. Les institutions de la République ont pour finalité d'assurer l'égalité des droits et en devoir de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle. D'autres droits sont cités dans cette constitution. Je citerai à titre d'exemple l'égalité devant la loi, le droit d'accéder à l'eau, la protection de l'économie nationale, le droit de l'environnement, le droit de la consommation, le droit de la protection du consommateur, etc. Donc, plusieurs droits sont protégés dans cette constitution. En ce qui concerne la femme, je pense qu'il y a de très importants article consacré à la protection de la femme. D'ailleurs, l'article, en ce qui concerne l'article 40, est un article très important. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est un article qui doit être inclus dans toutes les constitutions du monde. Je ne sais pas si l'aimable assistance partage mon avis. On va le voir tout à l'heure. Donc, c'est un article qui stipule que l'État protège la femme dans toute forme de violence, en tout lieu et en toutes circonstances, dans l'espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. La loi garantit l'accès des victimes à des structures d'accueil, à des dispositifs de prise en charge et à une assistance judiciaire. Donc, l'article 40 constitue une très grande protection à la femme algérienne. En ce qui concerne les articles 59 et 68, c'est la participation de la femme dans le domaine politique et social et du travail. Donc, l'article 59 stipule que l'État œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en encourageant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues. Et l'État œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi. Et l'État encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques, ainsi qu'au niveau des entreprises. En ce qui concerne la religion, la liberté d'expression et les associations, l'article 2 de la Constitution stipule que l'islam est la religion de l'État.
étant donné que le peuple algérien est un peuple musulman. Le deuxième article relatif aussi aux religions, c'est l'article 51, qui stipule que la liberté d'opinion est inviolable, la liberté d'exercice des cultes est garantie, elle s'exerce dans le respect de la loi. Et l'État assure la protection des lieux de culte de toute influence politique ou idéologique. La liberté d'expression est aussi garantie par la Constitution. Les nouveautés de cette Constitution par rapport à cette liberté d'expression se définissent par les libertés de réunion et de manifestation pacifique qui sont garanties et elles s'exercent sur une simple déclaration. Aussi, le droit de créer des associations est garanti et il s'exerce par une simple aussi déclaration. Donc, on facilite la création d'associations au niveau national. Donc, l'État encourage les associations d'utilité publique et les associations ne peuvent être dissoutes qu'en vertu d'une décision de justice. Pour la liberté de presse aussi, qu'elle soit écrite, audiovisuelle, électronique est garantie. Le droit de diffuser des informations, des idées, des images et des opinions dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la nation. Donc, la liberté de presse ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui. La diffusion de tout discours discriminatoire et haineux est prohibée. Et là, je pense que cette disposition constitutionnelle, on peut l'étendre à toutes les institutions, aux personnes, aux individus, et non pas seulement à la presse écrite, audiovisuelle et électronique. Le délit de presse ne peut être sanctionné que par une peine privative de liberté. Et l'activité des journaux, des publications, des chaînes télévisuelles et radiophoniques et des sites de journaux électroniques ne peut être interdite qu'en vertu d'une décision de justice. Donc, ce sont des garanties constitutionnelles pour la liberté de presse. Pour en ce qui concerne les partis politiques, alors il n'y a pas eu de changement par rapport à la dernière révision concernant le droit de créer des partis politiques, donc il est reconnu et garanti. Ces partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe corporatiste ou régional. Donc, ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l'identité nationale, à l'unité nationale, à la sécurité et à l'intégrité du territoire national, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple, ainsi qu'au caractère démocratique et républicain de l'État. Un droit qui est très important, qui est le droit à l'éducation, je l'ai évoqué parce qu'il a été très très bien rédigé, donc le droit à l'éducation et à l'enseignement sont garantis, l'État veille en permanence à en améliorer la qualité, l'enseignement public est gratuit dans les conditions fixées par la loi, l'enseignement primaire et moyen est obligatoire, l'État organise le système national d'enseignement et l'État veille, c'est un point très important, l'État veille à la neutralité des institutions éducatives et à la préservation de leur vocation pédagogique et scientifique en vue de les protéger de toute influence politique ou idéologique. Donc, l'école constitue la base de l'éducation à la citoyenneté et l'État veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle. Tout nouveau qui a été inclus dans cette révision constitutionnelle, qui est un droit très important et qui relie l'administration, ou qui rapproche l'administration du citoyen à travers l'article 77 qui stipule que tout citoyen a le droit de présenter à l'administration individuellement ou collectivement des pétitions afin d'exposer des questions d'intérêt général ou des atteintes à ses droits fondamentaux. Donc, l'administration doit informer les pétitionnaires dans un délai raisonnable des suites réservées à leurs demandes. Donc, c'est un droit qui n'existait pas auparavant dans les précédentes constitutions. La section 2, elle est relative au titre 3 de la Constitution, relative à l'organisation et la séparation du pouvoir. J'ai commencé par l'institution du président de la République. On sait que le président de la République est élu
par suffrage universel secret et direct par le peuple algérien, il faut répondre à certaines conditions. Elles n'ont pas changé, sauf qu'il y a deux petits changements. Le premier concerne le dépôt de la candidature. Il doit se faire l'âge et la relation entre l'âge et le dépôt de la candidature. Donc, le candidat doit avoir 40 ans révolus au jour du dépôt de la demande de candidature et non pas au jour de l'élection. Aussi, il faut justifier de l'accomplissement du service national ou de tout autre motif légal de son non-accomplissement. C'est une disposition qui existait dans la loi électorale. Elle a été constitutionnalisée en 2020. Concernant le mandat présidentiel, donc la durée du mandat présidentiel est de 5 années, une précision est venue dans cette révision constitutionnelle de 2020 pour montrer que le mandat ne peut s'exercer, il ne peut être exercé plus de 2 fois, consécutif ou séparé. Pour éclaircir un peu le point du mandat présidentiel, la constitution de 1996 stipulait que le président ne pouvait exercer que 2 mandats. En 2008, il y a eu une révision où le président pouvait être rééligible autant de fois qu'il voulait présenter sa candidature. En 2016, on est revenu aux 2 mandats et en 2020, on a précisé que ces mandats peuvent être consécutifs ou séparés. Et aussi, toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte à la limitation à 2 mandats présidentiels successifs ou séparés et à leur durée de 5 ans. Donc, on ne peut plus réviser cette disposition constitutionnelle qui limite le mandat présidentiel à 2 mandats et sa durée à 5 années. Les pouvoirs du président par rapport aux nouvelles dispositions constitutionnelles de 2020, donc il décide de l'envoi des unités de l'armée nationale populaire à l'étranger après approbation à la majorité des 2/3 de chaque chambre du Parlement. Il nomme le premier ministre ou le chef du gouvernement et met fin à ses fonctions. On va expliquer tout à l'heure quelle est la différence entre premier ministre et chef du gouvernement. Il peut décider d'organiser des élections présidentielles anticipées, un cas qu'on a vu auparavant, donc qu'on a constitutionnalisé. La législation par ordonnance, donc pour assurer un certain équilibre entre les pouvoirs du président de la République et du Parlement, la législation par ordonnance se fait en cas de vacances de l'Assemblée populaire nationale ou durant les vacances parlementaires. Donc, le président de la République peut, sur des questions urgentes seulement, légiférer par ordonnance après avis du Conseil de l'État. Là, la nouveauté, c'est que le président de la République saisit obligatoirement la Cour constitutionnelle au sujet de la constitutionnalité de ces ordonnances. Donc, et la Cour statue dans un délai maximal de 10 jours. Autre compétence du président de la République est relative aux situations exceptionnelles que peut vivre l'Algérie. Donc, le président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège, mais ce qu'a rajouté cette révision, c'est que la durée de cet état d'urgence ou de siège ne peut pas dépasser les 30 jours. Idem pour l'état d'exception, et là, elle ne peut pas dépasser la durée de 60 jours. En ce qui concerne le gouvernement, la nouveauté de la révision constitutionnelle de 2020, c'est que le gouvernement est dirigé soit par un premier ministre ou un chef de gouvernement. Donc, le président nomme un premier ministre lorsqu'il résulte des élections législatives de majorité présidentielle, et il nomme un chef de gouvernement lorsqu'il résulte des élections législatives d'une majorité parlementaire. Et dans le cas du premier ministre, c'est le plan d'action du président de la République qui est appliqué. Et le cas du chef du gouvernement, c'est le programme de la majorité parlementaire qui sera appliqué. Le Parlement, on applique toujours le bicaméralisme en Algérie, donc on a un pouvoir législatif qui se compose de 2 chambres, une assemblée populaire nationale qui est élue par le peuple, et
un conseil de la nation. Les deux tiers des membres du conseil sont élus parmi les membres des assemblées populaires communales et les assemblées populaires de wilayat. Donc, deux membres pour chaque wilayat. Nous comptons actuellement 58 wilayat. Et le un tiers est désigné par le président de la République parmi les personnalités et compétences nationales, scientifiques, professionnelles, économiques et sociales. La nouveauté de la révision constitutionnelle de 2020 est que le mandat parlementaire aussi, il a été limité à deux mandats. Donc, nul ne peut exercer plus de deux mandats parlementaires consécutifs ou séparés. Les garanties de l'indépendance de la justice sont multiples dans cette révision constitutionnelle. À titre d'exemple, donc, dans l'exercice de la mission du juge, le juge est tenu d'appliquer les traités ratifiés, les lois de la République et les décisions de la Cour constitutionnelle. L'une des garanties de protection des juges, c'est que le juge du siège est inamovible. Le juge peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature chaque fois qu'il estime qu'il y a atteinte à son indépendance. Et l'État protège le magistrat et le met à l'abri des besoins. Et la loi punit toute atteinte à l'indépendance du juge ou entrave au bon fonctionnement de la justice ainsi qu'à l'exécution de ses décisions. Pour le titre relatif aux institutions de contrôle, une très importante institution a été incluse dans cette révision constitutionnelle de 2020, qui est la Cour constitutionnelle. C'est une cour indépendante chargée d'assurer le respect de la Constitution. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Elle se compose de 12 membres. 4 membres sont désignés par le président de la République, dont le président de la Cour. Un membre qui est élu par la Cour suprême parmi ses membres. Donc, la Cour suprême, c'est la plus haute cour des instances ordinaires en Algérie. Et un membre, il est élu par le Conseil d'État parmi ses membres. Le Conseil d'État, c'est la haute instance judiciaire en matière administrative. Et 6 membres sont élus au suffrage parmi les professeurs de droit constitutionnel et on a vécu hier seulement l'élection de ces 6 membres. Donc, je ne sais pas si les résultats ont été donnés ou non, on va voir tout à l'heure. Donc, pour les conditions pour faire partie de cette cour constitutionnelle, il faut être âgé de 50 ans révolu au jour de leur désignation ou de leur élection. Il faut jouir d'une expérience d'au moins 20 ans en droit et d'avoir suivi une formation en droit constitutionnel, jouir des droits civiques et politiques et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation à une peine privative de liberté et la non-appartenance à un parti politique. Et je trouve que c'est une condition qui est très, très importante. Ce que nous pouvons constater, c'est que cette fois-ci, le Parlement n'a pas été représenté dans cette cour constitutionnelle. C'est pour prouver la neutralité de cette institution et pour qu'il n'y ait pas une relation avec la politique, avec cette constitution. La Cour a plusieurs compétences. À titre d'exemple, je cite, la Cour se prononce par décision sur la conventionnalité des lois et des règlements. Donc, plusieurs compétences rentrent. Plusieurs points rentrent dans ses compétences et aussi la Cour constitutionnelle peut être saisie d'une exception d'inconstitutionnalité. Donc la nouveauté ici, on la voit en vert, donc sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d'État, lorsque l'une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire, donc dans la révision de 2016, on parlait seulement des dispositions législatives, on a rajouté en 2020 les dispositions réglementaires dont dépend l'issue du litige pour atteindre à ses droits et libertés garantis par la Constitution. D'autres institutions de contrôle ont été instituées dans cette révision, ou plutôt constitutionnalisées dans cette révision de 2020, telles que l'Autorité nationale indépendante des élections que j'ai citée, la Cour des comptes existait déjà, et la haute Autorité de transparence, de prévention et de la lutte contre la corruption. Comme j'ai dit au départ, c'est une institution qui figurait parmi les organes consultatifs dans la révision de 2020. Elle a été
promue dans les organes de contrôle. Les organes constitutifs, donc le Conseil national économique et social, on a vu qu'il y a eu un élargissement par rapport à ses compétences dans le droit environnemental. Et il y a eu l'institution pour la première fois de l'Observatoire national de la société civile. C'est un observatoire qui émet des avis et recommandations relatives aux préoccupations de la société civile, contribue à la promotion des valeurs nationales et la pratique démocratique des citoyennes et participe avec les autres institutions à la réalisation des objectifs de développement national. Aussi, on a comme nouvelle institution, nous retrouvons l'Académie algérienne des sciences et technologies. Pour la révision constitutionnelle, le titre 6 relatif aux révisions constitutionnelles, une révision constitutionnelle ne peut porter atteinte à plusieurs points. Premier, le caractère républicain de l'État, alors démocratique basé sur le multipartisme, au caractère social de l'État, donc c'est une nouvelle disposition constitutionnelle qui a été incluse en 2020, qui est très importante et qui montre la relation entre l'État algérien et le peuple, que l'État prend toujours le peuple en charge. L'islam en tant que la religion de l'État, à la langue arabe comme langue nationale et officielle, à tamazir comme langue nationale et officielle, aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme et du citoyen, à l'intégrité et à l'unité du territoire national, à l'emblème national, à l'hymne national en tant que symbole de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954 et de la République et de la nation, la limitation à deux mandats présidentiels successifs ou séparés et à leur durée de 5 années chacun. Donc, on ne peut pas réviser ces dispositions ou la révision constitutionnelle ne peut pas porter sur ces 10 dispositions. En conclusion, je dirais que cette révision constitutionnelle a été très bien rédigée de façon à permettre, pour sa clarté, de façon à permettre même aux simples citoyens de comprendre son contenu. Je pense que construire un État de droit est la responsabilité de tous. Elle ne se limite pas à l'État. C'est un travail réuni de l'État, du peuple, du citoyen, de la société civile, des entreprises, des institutions publiques et du secteur privé. Moi, je pense que le Parlement doit reprendre sa place dans la vie constitutionnelle et, à mon avis, c'est aux partis politiques d'œuvrer et de travailler afin que le Parlement reprenne sa place. Parce que j'ai entendu tout à l'heure notre chère collègue Louisa dire que les citoyens peut-être ne connaît pas, ne sait pas comment élire, etc. C'est aux partis politiques de jouer ce rôle correctement pour arriver à une nouvelle Algérie démocrate, développée. Voilà, je termine avec ça. Merci pour votre attention. Voilà, merci Madame la Présidente. Merci Mademoiselle Issa pour cette présentation très détaillée de la révision constitutionnelle de 2020, du 1er novembre. Il y a donc plusieurs questions qui sont posées à notre amie Louisa Glaise. Donc la première, c'était quelle est la relation donc, entre constitution et sharia? Je pense que ça doit être quelle est la relation entre normes juridiques et sharia dans la Constitution. Je pense que c'était peut-être cette idée qui a été évoquée. Il y a une deuxième question. Comment le système scolaire pourrait-il contribuer à renforcer la représentation des femmes? Il y a également deux questions qui se rejoignent. Pensez-vous que le mouvement associatif peut contribuer à l'évolution de la situation de la femme et dans le sillage, quelle est l'influence des mouvements féministes occidentaux sur l'évolution de la situation de la femme en Algérie? Et une question importante, est-ce que l'essor économique pourrait influer
sur les relations hommes-femmes en Algérie. Voilà, en gros, les plus importantes. Oui, il y a une question, dans le futur. Pensez-vous qu'on aura un changement dans la représentation des femmes dans les assemblées et la nomination à des postes ministériels importants de souveraineté dans le futur? Il est très, très optimiste. Il y a également, oui, une question importante, comment promouvoir la participation des femmes au niveau local? Et puis, il y a une question beaucoup plus de droit privé. La femme peut-elle divorcer en Algérie? Combien un homme peut-il avoir de femmes en Algérie? Voilà. En gros, c'était. Enfin, j'ai beaucoup trié. Je vais répondre par une boutade, mais ce n'est pas grave. Alors, je suis en train de prendre les têtes de fil. On me divorce. J'ai essayé de faire une réponse globale parce qu'il y a énormément de questions. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de la relation entre religion et constitution, ou alors texte juridique et constitutionnel, ou texte juridique et norme dans la constitution. Je veux juste dire que la religion, c'est connu, c'est un texte divin. La constitution, c'est un texte humain. Toute la question, c'est de savoir est-ce qu'on doit intégrer la religion comme un des fondements de la constitution ou pas. On ne me demande pas mon avis parce que je dirais non, mais... Il y a des gens qui pensent qu'il ne peut pas y avoir de constitution sans qu'il y ait de religion à la base, parce que nous sommes d'abord un pays musulman, et d'autres estiment que la religion est une affaire intime, que nous avons le droit d'être musulmans même si on est dans un pays non musulman, et donc le contraire aussi peut être possible. Donc je pense que ça, c'est une question qui est beaucoup discutée et qui parfois, je dis bien parfois, cache des questions beaucoup plus importantes sur les convictions internes, sur la possibilité de manipuler la Constitution, sur la possibilité de changer le texte de la Constitution, parce que dès lors qu'on intègre quelque chose de religieux dans un texte, il est plus difficile de manipuler le texte. Donc, du point de vue anthropologique ou du point de vue philosophique, je pense qu'il est important que la Constitution reste exclusivement humaine pour qu'on puisse la manipuler, la changer, la reformuler, l'améliorer, comme on veut. La religion, elle, doit rester comme un texte, un droit canon, qui ne doit pas influer sur la vie de tous les jours, parce que la vie de tous les jours change. Est-ce que pour conserver l'intégralité ou la sacralité de la religion, on doit arrêter de réfléchir à l'avenir, de réfléchir au changement? Ce sont des questions qui, philosophiquement, qui se poseraient mieux à un juriste, je dirais, à Mademoiselle Aïssa. Parce que pour un philosophe, c'est très compliqué, c'est très délicat de répondre à une question comme ça, puisqu'on part de ce qui est constant et ce qui est modifiable, ce qu'on appelle en arabe « thabitu al-mutaghayyir », ce qui change et ce qui ne change pas dans la pensée humaine. Donc, je m'arrête là pour cette question, c'est-à-dire que je ne peux pas répondre plus. L'école et les femmes, est-ce que c'était quoi déjà la question sur l'école et les femmes, la deuxième question? Comment le système scolaire pourrait-il contribuer à renforcer la représentation des femmes? Oui, effectivement, ça c'est une question très intéressante. D'abord, on va se poser la question autrement, ou alors on va la poser au sens passif ou au sens passé. Comment le système scolaire actuellement présente la femme? Il faudrait peut-être commencer par faire de vraies études sur la programmation ou les programmes scolaires. On ne sait pas encore comment est présentée la femme. Alors là, il y a deux variables. Il y a le programme et il y a l'enseignant. Est-ce que le programme présente de la femme une image moderne ou traditionnelle? Est-ce que l'enseignant reproduit de la femme une image moderne ou traditionnelle? Et c'est ça qui va enclencher la représentation future de la femme dans le programme scolaire. Mais je pense qu'elle est très, très importante parce que, mine de rien, ce que tous les Algériens, pour ne pas dire tous les êtres humains, parce qu'il s'agit de l'Algérie, mais c'est valable pour tous les êtres humains, ce que tous les êtres humains ont ensemble dans leur vie de tous les jours et que pratiquement, presque nul, je dirais pas tous, mais presque nul, n'y échappe, c'est l'école. Si on veut vraiment faire passer des idées,
on les fait passer à travers une école. À travers l'école, c'est sûr qu'une génération plus tard, la modification se fera. C'est ce qui s'est passé quand, en 1991-1992, on a dissous le FIS, le Front islamique du salut, c'est-à-dire le parti islamiste en Algérie. Ben, les gens qui étaient des membres de ce parti, ils se sont étalés dans l'enseignement et dans l'enseignement des écoles, l'enseignement officiel, et dans l'enseignement parallèle par les mosquées, par les halqat, les groupes de formation et tout ça. Au bout d'une génération, la mentalité de l'Algérien a changé. La conception de la vie chez l'Algérien a changé, et je mesure mes mots. Donc je pense que l'école est très très importante si on veut changer quelque chose, et l'éducation de l'Algérien sur l'image moderne de la femme doit passer par l'école. Maintenant, interrogeant l'école, quelle est l'image qui se présente actuellement? Pour moi, elle n'est pas très très positive, mais bon, je peux me tromper, j'espère me tromper. Le mouvement associatif aussi peut être un relais très intéressant pour la formation sur l'éducation des femmes. Parce que déjà, le mouvement associatif, si on fait une petite étude, il est plus féminin que masculin. Il y a beaucoup plus de femmes qui tiennent des associations que des hommes. Parmi les associations que nous avons, on a beau dire, mais bon, c'est vrai qu'il y a énormément d'associations qui s'occupent du social. Il y a en deuxième lieu les associations qui s'occupent du culturel. Ensuite, il y a des associations professionnelles et enfin les associations scientifiques. Il y a évidemment d'autres spécialités, mais ça, c'est une spécialité de base. Donc, les associations sociales s'occupant des sociétés et des associations culturelles aussi, à travers elles, on peut véhiculer l'image d'une société moderne si on le veut. Comment ? Eh bien, en formant les associations. Je me suis attelée à cette mission depuis 20 ans. Je vous assure que les résultats sont époustouflants. J'en suis contente et fière à la fois, parce que j'ai un réseau pratiquement de quelques centaines d'associations et elles sont toutes extraordinairement motivées pour que la société change, et beaucoup d'entre elles sont très positives et contribuent à la formation des femmes et à l'évolution de la société algérienne par l'évolution de l'image de la femme. Donc le mouvement associatif, si on le prend en charge, il a de beaux jours devant lui et surtout il a un grand rôle, celui de refonder une société plus moderne, plus juste, plus égalitaire, plus équitable au moins. Les mouvements, l'influence des mouvements féministes occidentaux, pour les gens qui travaillent avec l'Occident. Après, on a aussi les mouvements féministes ou non féministes des pays orientaux. Maintenant, évidemment, il faut être dans le contact avec l'Occident, dans le contact avec les associations occidentales. Sur une vitrine, on peut dire qu'on en voit quelques-unes ou quelques-uns, mais dans la réalité, il y en a très, très peu, parce que sur 100 000 associations que nous avons, combien ont un contact avec l'étranger? Je ne pense pas qu'il y ait plus d'une centaine, hein. Donc, c'est très, très peu, mais c'est vrai que si on pouvait créer un réseau d'associations, pas seulement occidentales, déjà, ce serait bien d'avoir un réseau méditerranéen, parce qu'on ne travaille bien qu'avec les gens qui nous entourent, qui ont la même géographie que nous, qui ont la même conception des choses, et surtout qui ont la même histoire. Parce que la Méditerranée, depuis quelques 30 ou 40 ou 50 siècles, nous avons à peu près la même histoire, on a été Romains ensemble, on a eu les guerres puniques ensemble, et je passe jusqu'à nos jours. Quand on a un incendie en Espagne, il fait très chaud en Algérie et vice-versa. Quand il y a un nuage en Espagne, il y a des chances pour qu'il pleuve en Algérie, ce n'est pas toujours le cas malheureusement, mais c'est plutôt le contraire qui arrive plus souvent. Mais ceci pour dire qu'on devrait travailler sur des réseaux régionaux, quelle que soit la langue, quelles que soient les orientations, parce que dans les réseaux régionaux, on a beaucoup plus à partager, et je pense que ma intime conviction, qu'il vaut mieux travailler ensemble sur ce que nous partageons que de s'agripper sur ce qui nous sépare. Parce que quand on cherche vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses qui nous séparent. Nous naissons tous, nous mourons tous, et entre une vie, une naissance et une mort, il y a une vie où nous nous battons tout le temps pour une vie meilleure. Voilà ce qui nous réunit avec nos semblables, et c'est pour ça qu'il faut essayer de travailler ensemble. Oui, ceci donnera-t-il un changement politique Si on veut, maintenant les changements, ce n'est pas toujours positif. Et positif aussi, c'est quelque chose de très relatif.
Qu'est-ce que c'est un changement positif et un changement négatif? C'est par rapport à la personne elle-même. Ce que moi, je vois de positif, quelqu'un d'autre le verrait différemment. Mais ce qui est certain, je vais encore faire appel un petit peu à la philosophie, nous sommes tous dans le changement permanent. On ne vit pas la stabilité, ça n'existe pas. Maintenant, c'est à nous d'orienter notre changement. Je pense que le changement que nous devons tous chercher, c'est le changement qui peut nous apporter une vie meilleure pour nous et nos enfants. Je fais appel un petit peu au principe de développement durable. Si nous optons pour une vie meilleure, nous optons pour des changements qui peuvent nous servir, nous, sans endommager les générations futures, nous sommes dans la bonne voie. Donc, il faut opter pour les changements dans le respect des principes de développement durable. Est-ce l'essor économique pour influencer les relations sur des hommes et des femmes? Je n'ai pas très bien retenu la question, mais en gros, il ne peut pas y avoir, comme nous sommes tous dans la même région géographique, nous sommes toujours dans une relation intime, professionnelle, sociale, publique et privée, hommes et femmes. Nous ne pouvons pas imaginer qu'il peut y avoir une société où les hommes vont évoluer et pas les femmes, où les femmes vont évoluer et pas les hommes. Donc, arrêtons de nous taper dessus et de nous dire que j'évoluerai mieux sans elle ou j'évoluerai mieux sans lui. C'est une évolution qui ne peut se faire qu'ensemble. Il est vrai aussi que quand il y a des problèmes, comme actuellement la COVID, souvent, les femmes sont impactées bien avant les hommes. La COVID a beaucoup impacté le monde du travail, c'est-à-dire le monde économique. Et malheureusement, les premières qui ont perdu leurs emplois, ce sont des femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mesures qui voulant peut-être rendre service aux femmes, parce qu'il fallait quand même, comme les écoles ont fermé, il fallait quand même garder les enfants à la maison. Donc, on a demandé aux femmes avant les hommes de rester chez elles. Et les hommes ont continué à travailler, manque de poids, ils ont perdu leurs emplois, et ça, c'est déplorable. Mais il faut faire attention à ce genre de choses. C'est pour ça qu'il est intéressant de parler d'égalité. Comment promouvoir la promotion des femmes au niveau local? Oui, ça, c'est une question très, très intéressante. C'est pour ça que je l'ai écrite en entier. Au niveau local aussi, il y a beaucoup de choses qui se font avec les associations. Il y a un réseau d'associations, il y a plusieurs réseaux d'associations. Il y a un réseau d'associations que je connais personnellement, c'est le réseau d'associations des femmes rurales qui font un très très bon travail. Mais là aussi, comme toutes les associations, il faut un accompagnement de très près. Il faudrait que les femmes soient accompagnées pour qu'elles puissent comprendre, connaître les rouages de la politique, connaître les rouages de l'économie. Souvent, les femmes qui sont dans les associations ne connaissent pas ce qui les entoure, ne connaissent pas leurs propres avantages. Tout à l'heure, j'écoutais Mademoiselle Aïssa qui disait des choses très intéressantes sur l'évolution de la société dans la nouvelle constitution. Ça, c'est un travail qui devrait aller au niveau local, que les gens devraient connaître localement. Les gens ne connaissent pas leurs lois. Je suis sûre que les lois peuvent nous apporter beaucoup, mais il faut que quelqu'un les explique aux autres. Quand on ne connaît pas ses droits, on ne peut pas les mettre en application. Et là, au niveau local, les femmes, elles ne connaissent pas leurs droits. Il faudrait quand même qu'il y ait beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de volontaires qui puissent aller expliquer aux femmes quels sont leurs droits. Voilà ce que je pouvais dire sur les différentes questions. Maintenant, la femme et le divorce, oui, ben, la femme a le droit de demander le divorce, comme partout dans le monde, peut-être pas partout, hein, mais quand même partout, comme une grande majorité du monde, on va dire. La femme algérienne a le droit de demander le divorce. Maintenant, il y a des lois, il y a des quotes-parts, il y a des choses qu'elle perd et des choses qu'elle gagne, il faut appliquer la loi. Elle n'est pas toujours tendre, la loi, mais elle n'est pas tendre des deux côtés. Et de toute façon, elle n'est pas tendre qu'elle demande le divorce ou qu'elle ne le demande pas. Il y a des pays où la femme n'a pas le droit de demander le divorce. D'ailleurs, en arabe, on dit tatlir, c'est-à-dire qu'elle demande d'être relâchée. Ça ne change rien. Résultat des comptes, elle perd peut-être sa maison, elle garde les enfants. Si elle a un salaire, elle se débrouillera. Si elle n'a pas de salaire, ça va être plus compliqué. C'est pas toujours évident d'avoir une allocation familiale, enfin une allocation de la part du mari, de l'ex-mari. C'est pas non plus évident d'avoir une allocation vis-à-vis par rapport à l'État, parce qu'il y a des lois, mais il faut qu'elle connaisse ces lois. Mais dans l'absolu, ou je dirais philosophiquement, elle a le droit de demander le divorce. Après, elle assume cette demande avec les lois en vigueur
Et un divorce, c'est une perte pour les deux. Maintenant, l'homme et le mariage, combien, c'était quoi la dernière question? Combien de femmes il a le droit d'épouser? Combien d'hommes peut-il avoir d'épouses? D'épouses, bah, il en prend autant qu'il veut. Moi, en ce qui me concerne, s'il en a plus qu'une, c'est déjà beaucoup. Déjà beaucoup. Mais la loi lui permet 4, mais attention, justement, 4, il faut savoir ce que signifie avoir 4 épouses. D'abord, il faut avoir la première épouse qui ne répond pas à ses obligations. Ça rentre dans une histoire de charité. Il ne peut pas la renvoyer parce qu'elle n'a pas où aller. Et donc, il la garde, mais elle ne remplit plus sa fonction d'épouse. Il prendra une deuxième épouse. Pour moi, c'est la seule condition qui peut être vraiment, qui peut permettre une deuxième épouse, dans le sens où il garde la première parce qu'elle n'a pas où aller, mais il prend une deuxième épouse comme s'il était divorcé. Bon, maintenant, ça, c'est dans l'absolu, hein. Maintenant, les enfants, ce qu'ils veulent, hein. Ils peuvent très bien en avoir 4 légales et les autres illégales. Ils peuvent aussi en avoir seulement 4, mais pour avoir 4, il faudrait que la première donne son accord. Alors, je défie les femmes qui vont me dire qu'une autre femme peut donner son accord, toute convaincue qu'elle a raison, que son mari prenne une deuxième épouse. Moi, c'est un discours où je ne rentre pas, vous voyez, je rigole, je réponds un peu ironiquement, parce que je n'aime pas rentrer là-dedans. Oui, évidemment, les gens, les religieux vont me dire qu'il faut qu'ils soient équitables envers les deux. C'est très complexe, mais l'équitabilité dans les sentiments, je ne sais pas comment il va se débrouiller. Moi, quand j'aime une personne, je n'aime qu'une personne. Alors, comment va-t-il faire pour aimer deux personnes de la même façon, puisque l'amour, c'est le cœur, et le cœur, on n'en a qu'un. Donc, c'est à vous de voir où se trouve la réponse en fonction de vos convictions religieuses. Voilà. Ben, merci beaucoup, Madame Glaise, pour avoir répondu à toutes les questions, pratiquement. Mademoiselle Aïssa, alors, il y a deux questions, mais en fait, bon, quelle est l'évolution des droits et libertés? Je crois que vous l'avez retracé au cours de votre communication. Et pensez-vous, il y a une question que je n'ai pas compris. Quelles sont les prémices de la révision constitutionnelle de 2020? Oui, je n'ai pas compris l'idée. Enfin, je n'ai pas compris l'idée. Je pense que c'est ce qu'elle a présenté dans ce préambule. Quelles sont les causes qui ont fait que quand la révision se fasse. Ça a été présenté dans votre introduction, mademoiselle. Quels sont les événements qui ont fait qu'on soit arrivé à une révision constitutionnelle? Donc, il y a cette question. Et puis, la deuxième question qui est très, très générale et qui reste dans le futur, pensez-vous que la révision constitutionnelle de 2020 a atteint ses buts? D'accord. Voilà. Merci. Merci, professeur. Si vous permettez seulement, je vais revenir sur quelques questions qui ont été posées pour notre collègue Louisa, si vous permettez, Madame la Présidente. Concernant en ce qui concerne la polygamie, l'homme peut se marier avec 4 épouses, mais sur le plan religieux, il faut lire le verset coranique jusqu'à sa fin. S'il n'y a pas égalité entre les femmes, l'homme doit se contenter d'une seule femme. Donc, il ne faut pas lire la moitié du verset coranique, il faut le lire en totalité. Et en ce qui concerne le divorce, la femme peut divorcer de son mari dans la religion et qui a été introduite dans la loi, c'est le relève. Donc, la femme peut demander le divorce, il a juste une autre appellation qui est le relève de son mari. Et Tatler, c'est autre chose. Donc, il y a Tatler, Tatler pour le relais. Voilà, c'était juste, je voulais juste apporter cette précision. En ce qui concerne, j'ai vu beaucoup de questions qui concernent est-ce que l'Algérie est un pays démocrate, etc. Bien sûr que l'Algérie est un pays démocrate. Il faut comprendre que les pays africains ont évolué. Je ne parle pas seulement de l'Algérie, mais plusieurs pays dans le continent africain ont évolué. Il y a, une, il y a
il y a une démocratie, il y a une liberté d'expression, il y a la protection des droits et libertés, des droits fondamentaux et libertés publiques, chose que j'ai précisé tout à l'heure. Malheureusement, jusqu'à maintenant, dans d'autres continents, les gens, je pense, qui n'ont pas l'idée générale sur ce qui se passe dans le continent africain ou l'évolution de la démocratie dans le continent africain. Donc, je pense qu'il faut travailler là-dessus aussi pour transmettre la belle image de l'Afrique, la bonté des peuples africains, leur volonté à évoluer, à avancer. Voilà, ce point-là est très important pour moi. Concernant les droits et libertés, bien sûr, la Constitution comporte des garanties très importantes concernant la protection des droits fondamentaux et des libertés qui ont été élargies dans cette Constitution et qui ont été très bien rédigées, j'ai dit tout à l'heure, de façon à permettre même aux simples citoyens de comprendre l'étendue de ces droits et libertés. La femme, j'ai vu aussi parmi les... Concernant la femme, est-ce qu'elle a le droit d'exercer, d'être dans la scène politique? Oui. Pas seulement dans la scène politique, je pense que l'Algérie compte le plus grand nombre de magistrats, de juges dans les pays arabes. Notre institution militaire comporte des femmes. On a des femmes dans toutes les institutions de sécurité de l'État. La femme, elle est un peu partout. Donc, il y a une évolution dans ce sens. On œuvre pour améliorer la situation de la femme, parce que même dans l'Occident, la situation de la femme n'est pas aussi parfaite. Je pense qu'il y a des États où jusqu'à maintenant, le salaire n'est pas le même entre l'homme et la femme. Donc, est-ce que... il y a un point aussi important qu'il faut respecter, c'est la spécificité de chaque État. Personne ne connaît l'Italie mieux que les Italiens. Personne ne connaît l'Algérie plus que les Algériens. Donc, ce sont les Algériens qui savent ce qui conviendrait à l'Algérie et c'est les Italiens qui savent ce qui conviendrait à l'Italie. Donc, il faut prendre en considération aussi ces spécificités de chaque État. C'est ça la première question? Oui. Si vous permettez, professeur, pour transmettre la belle image de l'Afrique, parce qu'on a tendance toujours à transmettre une mauvaise image de l'Afrique. Pourquoi je dis l'Afrique? Parce que j'appartiens à ce continent qui m'est très cher. Donc, je pense qu'il faut encourager le tourisme. Il y a quelques jours, le président de la République a dit que le modèle économique italien conviendrait beaucoup à l'Algérie. Je dirais qu'il faut œuvrer, j'appelle les autorités à œuvrer, à encourager le tourisme entre l'Italie et l'Algérie pour permettre aux Italiens et à d'autres personnes de connaître mieux ces peuples-là. Et j'en suis sûre qu'ils ne vont pas regretter de visiter ce beau pays et de connaître ce bon peuple, et idem pour les autres pays africains. Voilà. Voilà. Je vous remercie, Mademoiselle Aïssa, pour toutes ces précisions. Je voudrais, moi, faire une remarque concernant, parce que là, la dernière question qui a été posée, pourquoi l'Algérie n'a pas été tellement impactée par le printemps arabe? Et donc, déjà, l'appellation printemps arabe est déjà prête à équivoque. Parce que j'ai un collègue, professeur Belhimar, qui a écrit un ouvrage en 2016 aux éditions ANEP et qui l'a intitulé « Les printemps du désert ». Que finalement, tous ces mouvements n'ont pas abouti à la fameuse démocratie que toutes ces populations recherchaient. Et donc, il y a également une explication concernant l'Algérie, c'est que le 5 octobre 88, il n'y a pas longtemps, on a fêté les 33 ans du 5 octobre 88, il y a eu une explosion, une véritable explosion populaire, un refus total du parti unique et du système socialiste. Et donc là, on a eu notre automne algérien, et c'était
Et c'était la première étape. Donc, il y a eu, quatre mois après, il y a eu une révision constitutionnelle qui a tout balayé, qui a balayé le parti unique, qui a balayé le système socialiste, et on a eu le multipartisme, on a eu le régime libéral, et donc ce qu'on a appelé l'état de droit, dans cette fameuse constitution de 89. Ensuite, c'est-à-dire que l'histoire de l'Algérie est toujours une chaîne de bouleversements. Ensuite, bon, on a cru, 89, constitution, ça y est, on est en train d'aller vers la démocratie. On a eu pas moins de 76 partis donc, qui ont été agréés. Et tout d'un coup, on a eu la décennie noire et tout ce qui est événement sanglant avec le terrorisme à partir de 91. Donc, c'était un État, un parti qui voulait un projet, qui voulait imposer un projet de société islamique, mais non pas musulman. Après, on a eu la Constitution de 96. La Constitution de 96 également a apporté beaucoup de nouvelles choses. On a eu un Parlement, donc un bicaméralisme. On a eu une dualité de juridiction. On a eu le renforcement de tout ce qui est organes de contrôle, mais demeurant limité. Et puis, on a eu donc, de 1999 à 2019, on a eu donc ces fameux mandats du président de la République et on a eu donc le Hirak que Madame Gelez a défini. On a eu le mouvement populaire national sur les 48 wilayas et qui a duré une année. Il a été arrêté par la pandémie 19. Et donc, voilà, ce sont les prémices de la révision de 2020, du 1er novembre 2020. D'ailleurs, même la date a été choisie symboliquement. 1er novembre, c'est le déclenchement de la révolution contre le colonisateur. Donc déjà aussi, c'est une forme. Alors, le Hirak a été donc intégré dans le préambule. Le préambule est dorénavant, il fait partie intégrante de la Constitution. Ce qui est important, c'est que maintenant, le citoyen peut se prévaloir de la protection et de la garantie de ses droits et libertés à travers la question préjudicielle de constitutionnalité par le biais soit du Conseil d'État, soit de la Cour suprême, comme l'a expliqué très bien Mademoiselle Aïssa. Et nous avons également beaucoup de principes qui ont été intégrés. La sécurité juridique, on ne l'avait pas. Le droit de pétition, on ne l'avait pas. Et en plus, droit et liberté, ça a été le premier axe sur lequel s'est penché le comité d'experts qui a donc qui s'est chargé de réviser la Constitution. Donc là, droit et liberté, c'est vrai, il y a eu un apport très important. Maintenant, ce qui reste, c'est l'effectivité de cette révision constitutionnelle. Il faut que toutes les lois antérieures se conforme à ce qu'a apporté de positif cette Constitution. Et là, il y a donc en cours, il y a des chantiers pour tout ce qui est donc la loi organique sur les partis, la loi sur les associations, la loi électorale, la loi organique électorale et le code communal. Donc, tout cela est en chantier pour se mettre en conformité avec les nouveautés de la Constitution. Est-ce que voilà, c'était à peu près quelques. J'avais d'autres observations concernant la relation État et normes juridiques et islam. Bon, mais donc, je crois que le temps presse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations de Madame Gelez ou de Mademoiselle Aïssa ou des autres participants? On est en retard? Moi, je voudrais rajouter une de mes phrases et présenter mes remerciements.
Je voudrais juste dire que souligner l'importance de la relation entre le politique et l'économique, je n'expliquerai pas parce que c'est trop long, mais derrière chaque mouvement social que nous vivons, il y a d'abord une crise économique qui fait qu'une population est toujours consciente, éveillée et à l'écoute de ses propres besoins. Ça se discute autrement, mais c'est toujours le peuple qui commande. Enfin, je voudrais présenter tous mes remerciements. Je vais peut-être prononcer mal, mais je voudrais présenter mes remerciements profonds à Ilaria Valenzi, c'est ça? Cortelesi Flavia. Et puis à notre ami Alessandro Ferrari, qui malheureusement on n'a pas vu. Merci aussi au professeur Rauti Malki. Et merci à mademoiselle, au docteur Zahia Issa. Et j'espère à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Là, je viens de lire, le professeur Ferrari s'est connecté du train et il a suivi les interventions et le débat et il vous dit merci. Et à mon tour de remercier également tous les organisateurs, les participants qui ont, je pense, des étudiants donc, qui ont posé les questions, qui ont suivi les communications et bien entendu mes deux collègues, Madame Gelez et Mademoiselle Aïssa. Merci beaucoup. Merci à vous tous aussi de nous avoir donné cette possibilité de participer à ce webinaire. Merci beaucoup. Très bien. OK. Merci. I would like to thank all the speakers of this evening and all the participants, also on behalf of Alessandro Ferrari, which is traveling right now. I hope to see you all next week at our last seminar on the new Gulf. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, comment j'en fais? Ça va s'arrêter tout seul, je pense. Non?